Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo juste pour vous partager des petites pépites sur le business du prix de ton demande qui est, à mon avis en tout cas, l'un des meilleurs business pour se lancer en 2021, en 2022, pour les années à venir, notamment quand on a un faible budget. Évidemment, le prix de ton demande n'est pas le seul business, il y en a d'autres. Mais comme je vous le disais, c'est mon business préféré, donc je vous en parle énormément. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une idée de niche qui est extrêmement profitable si vous savez vous en servir. Cette idée de niche, vous allez pouvoir l'appliquer même si vous n'avez pas de boutique Shopify. D'ailleurs, c'est typiquement le genre de niche à utiliser quand on n'a pas de boutique Shopify, à utiliser quand on utilise uniquement les marketplaces comme Teezily, qui est d'ailleurs l'une de mes plateformes préférées, comme Teeship, comme Teespring, comme Redbubble, etc. Alors, juste avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos parce qu'il y a encore du lourd à venir. Je vous invite également à rejoindre le groupe Telegram privé entièrement gratuit sur lequel je partage tous les jours des astuces et des conseils pour cartonner dans les business en ligne et notamment sur le prix de ton demande. Donc, si cela vous intéresse, rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas. Et maintenant, passons au vif du sujet. Quelle est la niche que vous allez pouvoir exploiter dès aujourd'hui? Il va s'agir de la niche des anniversaires. Alors, comme vous le voyez ici, c'est une niche que vous pouvez trouver facilement en utilisant notre outil Ads Club. Ads Club, pour rappel, c'est notre outil d'espionnage qui va vous permettre de trouver en quelques clics toutes les publicités dans n'importe quelle niche, n'importe quelle thématique, n'importe quel pays. Quel que soit votre business, affiliation, dropshipping, prix de ton demande, e-commerce en règle générale, grâce à notre outil Ads Club, vous allez trouver toutes les publicités Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads. En quelques clics, vous pourrez espionner vos concurrents et vous pourrez répliquer ce qui fonctionne pour eux. Sachez également que Ads Club est offert en bonus quand vous rejoignez le programme complet Prix ton demande Académie Volume 3. Donc, si vous êtes déjà membre du programme complet, vous avez un accès offert à Ads Club. Autrement, vous pouvez acquérir Ads Club en cliquant dans la description ci-dessous. Vous aurez un accès illimité et à vie à notre outil. Le nombre de licences est limité puisque je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos outils et à nos stratégies. Si cet outil vous intéresse, vous pouvez l'acquérir pour un prix complètement ridicule en cliquant dans la description ci-dessous. Voilà, donc pour revenir à nos moutons, ici sur Ads Club, si vous allez donc dans la partie Facebook Ads, vous allez sur Keywords, ensuite vous mettez donc Ad Text comme type de mot-clé, parce que vous pouvez chercher des mots-clés dans les commentaires ou sur la landing page. Dans Ad Text, vous mettez édition limitée. Vous choisissez photo, puisque c'est format photo hein, pour du prix de ton demande. En général, il n'y a pas de vidéo. Vous cliquez sur chercher et ça va vous ressortir tout un tas de publicités. Vous allez trier évidemment par like. Moi, j'aime bien trier par like. Hein. Après, c'est vous qui voyez comment vous triez. Et ensuite, vous tombez sur différentes annonces, notamment principalement du dropshipping. Mais quand vous descendez, vous arrivez sur des annonces de prix ton demande, comme ici. Je suis agriculteur, je ne m'arrête pas quand je suis fatigué. Et puis là, vous voyez donc, je suis né en juin, je peux être têtu comme une mule, doux comme le miel, blablabla. Ici, vous avez je suis né en juin également, je suis né en mars. Et voilà, vous avez tout un tas de designs intéressants. Et ce sont des designs qui cartonnent, qui ramènent des milliers de likes ainsi que des milliers de partages. Et c'est normal, parce que si vous êtes membre du programme complet, vous savez qu'en prix de ton demande, il faut absolument taper dans l'affectif, taper dans la fierté. La fierté, c'est une émotion sur laquelle on peut jouer et on doit jouer pour générer des ventes. Et bien, les anniversaires, c'est une excellente thématique. En général, quel que soit le mois dans lequel on est né, ben, on en est fier. Quel que soit son signe astrologique, puisque j'inclus également les signes astrologiques dans la niche des anniversaires, et ben, c'est pareil. Quand on est Gémeaux, Verseau, Poisson, Bélier, ce que vous voulez, et ben, on en est fier. Du coup, ce type de design, ça a toujours cartonné, ça cartonne à l'heure actuelle et ça continuera de cartonner. Je rappelle que sur le marché francophone, vous avez un boulevard devant vous car il y a très peu de personnes qui font du prix de ton demande.
notamment de cette manière. Donc là, par exemple, on a « Je suis né en juin ». Vous voyez que ici, c'est un design qui est relativement simple à reproduire. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir fait les beaux-arts, vous n'avez pas besoin d'être pro en Photoshop, vous n'avez même pas besoin de connaître Photoshop, puisque vous pouvez très bien faire cela avec Canva. C'est un genre de design que vous pouvez faire en l'espace de 30 minutes maximum, je dis bien maximum, hein, c'est fait assez rapidement. Et puis, autre avantage avec ce type de niche, c'est que vous avez des anniversaires tous les mois. Sur une année, il y a 12 mois. Il y a donc 12 opportunités de faire des ventes avec cette niche. Et une fois que vous avez fait votre template ici, votre design ici, eh bien, vous n'avez plus qu'à changer le mois. Je suis né en janvier, je suis né en février, je suis né en mars, en avril, en mai, en juin, jusqu'à décembre. Et vous faites ça chaque année, chaque année, chaque année. C'est exactement le type de design avec lequel je me suis lancé en prêt en demande personnellement. Et ce type de design permet à la plupart de mes élèves de générer pas mal de cash. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire un design typiquement comme celui-ci. Vous voyez que là, on a une tête de faucon. Ici, on a une sorte d'ange de la mort. En cliquant ici, voir tous les détails de cette publicité, je peux aller sur la page Facebook et hop, me voilà sur la page. Donc là, je vois donc des idées de design. Ne jamais sous-estimer une légende qui est née en avril. Vous voyez, il y a vraiment tout un tas de designs intéressants. Voilà, donc je suis un homme de juillet, tu connais mon nom mais pas mon histoire, blablabla. Je suis un homme de juin, de mai. Vous voyez, la personne, elle a fait son design et elle a juste changé ici le mois. C'est vraiment très très simple. Ici, donc désolé, cet homme est déjà pris par une femme de janvier. Vous voyez, ici on a quoi? La vie m'a bousculé, blablabla. Je suis femme de décembre, je n'abandonne jamais. Ici, ben plus bas encore, on a fille de octobre. Je ne suis pas parfaite, mais je suis une édition limitée. Ça, c'est pas mal également comme design. Ça a pas mal de likes. Presque 3000 likes, presque 3000 partages, et presque 500 commentaires. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je rappelle que quand vous voyez un design qui vous intéresse, enfin une annonce, une publicité qui vous intéresse, vous cliquez ici pour l'ajouter dans vos favoris. Une fois que c'est fait, vous pouvez retrouver vos publicités favorites dans My Account Favorite Ads. D'accord? Ici, vous cliquez ici pour voir tous les détails de la publicité. Voilà, je vais cliquer sur l'URL. Et voilà, donc l'article est vendu pour 20 euros et des poussières. Ensuite, on a donc Queen October, October Girl, etc. Donc là, vous voyez que c'est une niche spécifique pour les femmes qui sont nées dans tel ou tel mois. Et d'ailleurs, ici, c'est une niche plutôt pour les hommes qui sont nés en tel ou tel mois. Donc là encore, c'est une manière de bien spécifier vos niches. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Vous allez viser les femmes qui sont nées de janvier à décembre. Et vous allez viser également les hommes qui sont nés de janvier à décembre. Mais ne visez pas les deux en même temps. Votre ciblage sera beaucoup trop large si vous faites ça. Donc autant viser une catégorie, enfin un sexe à la fois. Et puis ici, vous avez l'expiration. Et vous voyez à quel point avec Ads Club, vous pouvez espionner très très facilement votre niche. C'est très très simple à faire. Voilà, vous avez tout un tas de design, enfin, tout un tas d'idées d'inspiration. Alors celui-là, il est super bien, puisque ici, vous allez viser les fans de films, enfin, les fans de Black Panther. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez très bien refaire la même chose avec du style Black Panther, mais également Wonder Woman, Captain Marvel. Enfin, voilà, vous avez tout un tas d'idées de femmes super-héros, enfin, de super-héroïnes que vous pouvez utiliser pour faire des designs sans jamais toucher au copywriting. C'est important de ne pas avoir de problème avec ce genre d'image puisque ça peut très bien être sous licence. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Comme ici, c'est exploitable puisque on comprend tout de suite que c'est l'univers de Black Panther, mais ce n'est pas l'image officielle de Black Panther, donc on peut l'utiliser. Donc ça, c'est une superbe idée de niche que vous pouvez répliquer. Donc juste ici, on a encore une autre page qui fait la même chose. Ne sous-estimez jamais un vieil homme qui est né en juin. Donc encore une fois, vous pouvez refaire la même chose avec tous les mois de l'année. C'est vraiment une niche qui est à la fois profitable et intemporelle.
Vous pouvez le faire en 2021, en 2022, en 2023. Les gens seront toujours fiers de leur date de naissance, ainsi que de leur signe astrologique. Mais les signes astrologiques, ça englobe plusieurs mois, donc, alors que les anniversaires, ben, c'est un mois. Donc chaque mois, ben, vous avez une nouvelle niche que vous pouvez exploiter. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. C'était simplement pour vous présenter une idée de niche que vous pouvez exploiter dès aujourd'hui en utilisant les marketplaces, les plateformes de prix ton demande. Vous n'êtes pas obligé de créer une boutique Shopify pour faire ce genre de niche. Les boutiques Shopify, c'est spécifique pour d'autres types de prix ton demande que l'on voit dans le programme complet, notamment le prix ton demande où vous permettez à vos clients de personnaliser eux-mêmes leurs produits, de rajouter eux-mêmes leurs touches personnelles. Avec les marketplaces, vous ne pouvez pas faire cela, mais vous pouvez déjà faire de belles choses et commencer à générer vos premiers revenus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de passer à l'action. Avec les marketplaces, vous pouvez commencer dès aujourd'hui et commencer à générer des revenus ben, dès demain ou plus tard, si vous faites les choses correctement, bien entendu. Ici, vous avez une excellente idée de niche. À vous travailler maintenant en faisant des designs intéressants. Mais avec notre outil Ads Club, vous voyez tout de suite le type de design qui cartonne. Vous n'avez qu'à les reproduire ou vous en inspirer librement. Ici, on a je suis né en juin, je n'irai pas en enfer. Le diable n'aime pas la concurrence. C'est encore une autre idée de niche, enfin une autre idée de design intéressant. Vous voyez qu'il y a toujours donc la phrase et au milieu, il y a toujours un design assez percutant. Donc ici, c'est quoi? C'est une sorte de viking ou quelque chose comme ça. Avec Ads Club, vous voyez tout de suite des idées de design intéressants. Ok? Ici, par exemple, vous avez Bébé Yoda. Bébé Yoda, ça cartonne énormément en ce moment puisque c'est tiré de la série Star Wars actuellement sur Disney+. Et les personnages du coup de cette série, dont Bébé Yoda, ont énormément de popularité. Donc vous pouvez surfer sur cette vague et trouver un design qui à la fois est relatif au mois de naissance et à la fois relatif à l'univers Star Wars. Et le ciblage sur Facebook va être optimisé puisque vous pouvez très bien cibler des personnes qui sont nées en janvier et qui aiment Star Wars. Et là, vous avez le combo gagnant. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous, partagez-la si vous voulez, et surtout rejoignez le groupe gratuit Telegram pour recevoir quotidiennement mes conseils et astuces pour cartonner dans vos business. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le programme complet ou acquérir Ads Club, vous avez les liens dans la description. Et en attendant de vous retrouver, je vous donne rendez-vous au prochain cours. À bientôt!